Metal up your ass! Out <laughs> on Mega Force Records! It's called Kill Them All! Who wants this fucker? You wanna hear it with vocals? I go sing <laughs> Fuck!

on va commencer tout de go par faire quelques zerata quelques précisions sur les épisodes précédents beaucoup de choses à dire alors déjà j'ai un ami à moi qui s'appelle romain laguin qui est un excellent 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 guitariste excellent musicien qui joue dans le groupe titan qui m'a fait remarquer que je disais de la merde évidemment avec sa discrétion et ses gentils mots et son humilité parce que j'avais dit que le riff de four Horsemen qui fait state dé dé était en sextolé et c'était évidemment une énorme erreur puisqu'en sextolé il y aurait d'après ce que je réfléchis deux fois plus de notes que ce que je viens de chanter ce qui serait original quand même mais déjà que c'est dur à jouer là je pense que ça frôlerait l'impossible donc en fait c'est juste il m'a précisé c'est juste un triolet euh, deux triolets dans lequel on enlève juste le 2 voilà vous en ferez ce que vous voulez j'espère que j'ai bien retranscrit ton propos romain en tout cas vous pouvez vous moquer de moi et me huer <laughs> voilà euh, Petite rectification aussi, euh, je le précise, c'est moi qui fais le montage et qui, du coup, casse les illustrations. Alors, les illustrations me sont aussi fournies par, généreusement par mon collègue qui m'envoie des, des images merveilleuses des fois, des trucs qui sortent littéralement de son cul. Euh, parce que moi, je tape sur Google Images, euh, photo, truc précis, date de cancer et je trouve des trucs. Mais lui, il m'envoie des trucs des fois assez, assez pointus parce qu'il a accès à, à des sources que je n'ai pas. Euh, Guillaume, <laughs> le professionnel de la musique. Euh, dans l'épisode précédent, par exemple, on avait mis une photo de Kirkhamet. Qui était au concert, on parlait d'un concert. Voilà, je tiens à le dire que des fois on triche un peu sur les illustrations. J'essaie évidemment d'être le plus exact possible sur ce que je vous montre, mais des fois je triche un petit peu. Des fois je mets des photos de concerts qui sont pas exactement de ce concert là. J'essaie dans l'absolu au maximum de, de coller, mais c'est pas, ben c'est juste pas possible parce qu'on n'a pas les sources de tout. et Il y a plein de concerts où il y a zéro photo, il y a zéro média, il y a à peine l'affiche, mais déjà on a les affiches, ce qui est déjà, ce qui est déjà pas mal. Ouais, plus le temps va passer, plus on va avoir de documents. Et je pense qu'arriver à un moment, on va même être obligé de faire un tri euh, parce qu'on ne pourra pas tout mettre. Mais c'est vrai que là, les premières années, il euh, faut souvent faire appel à l'imagination pour, euh, ouais, <laughs> pour représenter certaines anecdotes. Quoi. Ensuite, je voulais mettre un petit mot parce qu'on a fait une interview. Euh, si ce podcast vous intéresse, en fait, on fait une interview qui parle beaucoup de ce podcast et qui explique à peu près tout ce qu au, autour du podcast. Euh, on a fait ça chez les amis de Blackout, donc il y a une interview de, de nous deux qui est sortie il y a un mois déjà à peu près. Du coup, euh, allez-y, parce que ça dure quand même deux heures, on jacte, on jacte de ouf et c'est on va dire en gros c'est une espèce de FAQ euh, voilà avec des gens qui ont travaillé le sujet donc c'est super bien euh, si vous voulez savoir plus de trucs sur le podcast en tout cas allez-y écoutez et puis euh, Blackout il faut aussi plein d'autres émissions qui sont très sympathiques et je vous recommande d'aller c'était très cool à faire ouais. et on est même censé euh, retourner les voir je ne sais pas encore quand mais pour classer les les Metallica ah merde putain je me rappelle même plus tu vois oui, à la fin de l'émission, euh, on s'était dit, tiens, euh, ils nous ont dit, on, on pensait peut-être essayer de classer un peu les Metallica et vous pourriez revenir le faire avec nous. Donc. Bah, nous, on aime classer les choses. Donc, ouais, ça peut être marrant. On est ouvert à l'idée. Carrément marrant. En tout cas, c'était vraiment, c'est vrai que c'était une interview assez, assez marrante à faire. On a, on a bien rigolé. Donc, euh, n'hésitez pas à aller jeter une petite oreille. Et petit mot. Ah, bah oui, on a fait, bah oui, on va, on va, on va aussi en parler. <laughs> Children of the Sabbath, du coup, euh, tu as participé au podcast sur l'album Sabotage. Ouais. Et tu étais également présent dans le public. J'étais présent dans le public pour faire euh, mon malin. Alors après, je ne vous cache pas que euh, la bière coulait à flot, que <laughs> le podcast est très long et plus ça avance et moins je suis pertinent. Mais euh, Guillaume, lui, évidemment, est toujours pertinent et toujours passionnant. Et il y avait aussi, euh, évidemment, Gabriel, il y avait Mathieu, les, les deux instigateurs. Et puis, il y avait aussi Sam en bonus. Puis quelques planqués comme Mathieu David euh, et euh, aussi l'excellent, pas mal âge et sa chaîne Molle, que je vous recommande aussi. Ouais, non, c'était vraiment une, une excellente émission. On a passé un super moment et non, non, t'as été pertinent tout le long, t'inquiète pas. C'était très, très bien. Euh, on est plutôt contents des retours en plus. Euh, ça a eu l'air comme d'intéresser pas mal de monde. Donc, euh... on va voir comment on va aborder, nous, euh, les, les enregistrements d'albums, puisqu'on y arrive bientôt. Mais ouais. euh, même si avant ça, on a encore un petit bout d'historique à terminer. Mais c'est vrai que ce, cet exercice était assez intéressant. C'est la première fois que je participais à un podcast en public. C'était vraiment très intéressant. Et donc ah oui une dernière précision No Life Till Laser le nom de la démo on nous a fait une excellente réflexion dessus Guillaume dis-moi en plus oui on avait oublié de mentionner euh, c'est une chose qu'on avait dite il me semble sur la, la page Facebook euh, mais qu'on n'a pas mentionné dans le podcast et donc tout le monde ne, ne consulte pas la page Facebook de toute façon euh, on a parlé de, de l'origine du titre No Life Till Laser pour la démo on a cité No Life Till Hammer Smith de Motorhead et on nous a fait remarquer aussi Qu'en grand fan de Saxon, euh, Lars et, et James font également référence euh, à de Deneman Leather, donc l'album des Saxons. Donc c'est une espèce de, de mix entre Motorhead et Saxon, euh, qui, qui revêt également un sens, euh, même si c'est un peu cryptique, on va dire, euh, <laughs> tout le monde a son interprétation, mais ça revêt quand même un sens derrière pour Metallica aussi. Ouais. Carrément. puisque on peut dire que Saxon, Saxon et Motorhead sont les deux, les deux principales influences de Metallica à l'époque avec Diamond Head si on place ces trois groupes là on a un bon, un bon on a une bonne tête. vue d'ensemble voilà, de ce à quoi Metallica aspire très bien bon revenons dans le vif du sujet nous avons quitté le dernier épisode nous en étions où nous étions tout simplement en répétition la première répète avec Cliff donc le groupe a entériné son déménagement pour San Francisco. Euh, la nouvelle est là. Donc la première répète, le groupe n'est pas officiellement encore installé si je ne m'abuse. Non, c'est ça ce qui est intéressant, c'est ce qu'on avait mentionné. Ils, ils font quand même les 800 km pour, entre guillemets, uniquement pour répéter. Pour, ça, ça donne quand même une bonne idée de l'enthousiasme qui anime Metallica à cette époque, qui se sent comme revigoré avec l'arrivée de Cliff Burton, puisque sans faire injure à Ron McGovney, tout le monde sent que Cliff Burton va apporter quelque chose de très intéressant dans, dans la musique de Metallica. Donc durant cette période de transition... Euh, là j'en suis ils ont pas encore aménagé hein, San Francisco euh, on sait que Dave Mustaine est allé habiter donc James Hetfield n'est plus chez Ron McGovney donc Dave Mustaine et James Hetfield sont allés habiter chez la maman <laughs> de Dave Mustaine qui vraiment la pauvre euh, se retrouve non pas avec un, un zozo mais deux zozos alcooliques à la maison euh, donc elle est bien saoulée heureusement ça dure pas longtemps puisque voilà, je sais on n'a pas énormément enfin moi je sais pas si tu en as beaucoup des détails sur cette période un peu floue euh, d'entre deux. Non, la période d'entre deux, je j'ai un peu enfin j'ai pas sauté c'est dans ce que j'ai parcouru, j'ai rien relevé d'incroyable ou de vraiment très pertinent et intéressant à raconter, ils font leur préparatif. Euh, ce qu'on peut dire c'est que c'est à cette époque que Lars euh, en vient à être en difficulté financière euh, et probablement du fait aussi du déménagement. Il y a quand même une logistique et ça implique certaines choses et on a souvent l'image de... Euh, de Lars qui est fils de tennisman richissime et qui a aucun problème avec l'argent et qui du coup peut un petit peu claquer son fric un peu comme il veut, il y aura toujours quelqu'un derrière. Mais on avait déjà dit ça dans l'épisode 1 probablement, mais les parents de Lars ont beau être richissimes, ils ont une certaine vision de l'éducation qui fait qu'ils veulent que leurs gamins s'en tirent sans eux qui qu'il est un peu la valeur des choses et qui se débrouille un petit peu aussi tout seul Et il se trouve que à cette époque là euh, donc la petite période de transition il est un petit peu en galère financière et il va vendre sa collection il va vendre sa collection sa fameuse collection de vinyles dont on a parlé donc pas toute la collection mais une partie de ses vinyles euh, à son ami John stradenski donc on en a déjà parlé de lui Stredenski euh, euh, John Centred son surnom donc on en a parlé dans les épisodes précédents euh, c'est un proche du groupe qui 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 est souvent à leur côté. D'ailleurs, on, on mettra des on mettra des photos parce qu'on en a sûrement encore qu'on n'a pas partagé. Et il lui vend pour 300 dollars euh, plusieurs de ses vinyles euh, pour et pour simplement pour avoir de quoi continuer à tenir parce que là, on est à un moment où il va s'émanciper en tout cas, c'est ce c'est ce que je déduis de tout ce que je recherche, il va totalement s'émanciper de ses parents. Il part de Los Angeles pour euh, devenir un homme, on va dire. Mmh. Ouais, et puis accessoirement, c'est vrai que quand tu déménages, quand tu vends des vinyles, euh, c'est encore moins de poids à déménager. Ce qui est oui, une bonne idée. Ouais, et puis je pense aussi que qu'il qu cherche de l'argent pour Metallica. Là, mmh. c'est-à-dire euh, qu'on n'en est pas forcément à être en galère pour vivre. Euh, il doit quand même arriver, ils doivent tous se serrer les coudes euh, et s'épauler, mais euh, il doit y avoir quand même une petite recherche de fond, euh, parce que Metallica, ça va commencer à coûter de l'argent, on va y venir, mais il euh, y, y, y a plusieurs choses qui vont, euh, comment dire, ils vont upgrader euh, pas mal de choses dans leur, euh, dans leur logistique. Donc, logistique, euh, naturellement, les choses se font, ils arrivent à bouger, ils arrivent, et où vont-ils squatter principalement Au Cliff et chez lui. Mais les trois, nos trois joyeux lurons arrivent. Euh, ils se retrouvent du coup chez un certain Mark Whitaker dont on a déjà très succinctement parlé, qui est le manager slash son slash homme à tout faire de chez Exodus, euh, Moving All Jappy People, excellent morceau de Bob Marley. Euh, néanmoins, on peut déjà noter euh, que ça se passe un peu bizarrement, puisqu'il y a deux chambres, donc ils vont, ils vont être à El Cherito, qui est l'endroit un peu ouais. mythique, va le... hein, ouais, qui va s'appeler... 3132 Carlson Boulevard, El Cerrito. Il va le Metallica Mansion. Ouais. Metallica Mansion. Absolument. Et euh, déjà, on peut noter que, mais il euh, y a deux chambres qui vont être prises par James et, et Lars. Lars. Et Dave n'est pas, ne fait pas partie euh, du coup de, bah, fait pas partie de la coloc. Et il est envoyé du coup chez la maman ou la grand-mère. La, la grand-mère. Grand il habite à une heure, à une heure ça. de El Cerrito. Euh, il va aller squatter chez la grand-mère de Mark Whitaker. Dans des conditions assez difficiles, dans une pièce complètement minuscule. Et il a un, en gros, il a une juste comme confort moderne, une petite glacière, pas euh, bah une glacière en fait. Euh, en, comment dirais-je Même pas le modèle dur en plus. C'est le modèle euh, en sac, euh, en sac <laughs> isotherme un peu, vous voyez, métalli Métallisé dedans. Voilà, parce que c'est. Il, me est, semble bon qu il est en sous-sol en plus. Enfin, il est à l'arrière de la maison. Il est vraiment dans une, une espèce de petite dépendance. C'est un truc un petit peu, euh, un petit peu austère. C'est vraiment roots quoi et du coup euh, bah on va dire que Dave Mustaine vit particulièrement mal euh, cette période puisque bon le groupe répète beaucoup le groupe fait la fête de toute façon c'est ça c'est c'est un peu la règle euh, je veux dire permanente chez Metallica cette période là mais euh, Mustaine du coup se sent vraiment mis à l'écart se sent vraiment pas bien euh, dans cet endroit euh, exigu enfin il le dit dans sa bio il dit il veut répéter le maximum même s'il a pas forcément envie de répéter mais il a vraiment pas envie de retourner là bas fort heureusement il a au moins quelques, un bon côté c'est il y va avec Cliff. En fait, il fait ses allers-retours avec Cliff parce que Cliff habite plutôt euh, dans ce secteur-là et euh, passe le prendre et, et le ramène. Donc, au moins, il y a ce, ce côté-là. Puis Cliff, il le connaît à peine. Donc, du coup, ils, ils apprennent à faire quand un peu connaissance. Donc, ils écoutent plein de trucs, euh, dont euh, ils écoutent beaucoup de Skinnerd qui va finir sur euh, officiellement, du coup. Sur The Mechanics, avec une partie, euh... est-ce que tu peux raconter cette anecdote Oui, il me semble qu'on en a, il me semble qu'on la raconte à la fin de l'épisode précédent, ah bah non, mais peut-être qu'on l'a, on l'a peut-être abordé euh... succinctement. Il me semble, très succinctement, succinctement mais euh, ça part, ça part plus ou moins d'une blague en fait, euh, parce que Lars Ulrich veut ralentir le tempo de, 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 de The Forest Men. Donc Mechanics, Dave Mustaine raconte qu'il a, qu'il a balancé le, le pont de Sweet Home Alabama un peu ironiquement, du, en disant à Lars, tu veux, c'est ça que tu veux faire hein. Tu veux faire des, des, des trucs plus faciles Facile, plus simple comme ça. Et euh, en fait, ils trouvent tout ça génial et ils l'ajoutent, ils l'intègrent, ils en font le pont, de, le, le pont de ce qui va devenir The Forest Men. Et c'est une plaisanterie qui, du coup, est à l'origine de, de Cliff Burton. Il a, il a déjà cette influence dans le groupe, puisque c'est lui, au départ, qui, qui met beaucoup de de Lenerd Skinner de, ou Liner Skinner de, on sait même, on sait plus comment ça se prononce mais euh, qui 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 met ça en fait qui en écoute beaucoup avec euh, avec Dave Mustaine et puis de, de toute façon qui va initier aussi tout le reste du groupe un peu à d'autres à d'autres musiques on va préciser d'ailleurs que ce, ce changement si j'ai recherché un petit peu pour savoir exactement à quel moment il se, il se relocal, relocalisait à San Francisco il semblerait que ce soit entre le 11 et le 12 février donc c'est aller assez vite quand même ouais. euh, parce qu'il y a quand même pas mal de déménagements à, à, prendre, en, à prendre en charge. Euh, je pense que a priori de ce qu'on retire de tout ça, c'est il y a une espèce de libération pour le groupe. Je crois que c'est pas exagéré de, de dire qu'il y a une espèce de soulagement. Ils ont peut-être l'impression que c'est le, le vrai départ du groupe parce qu'ils sentent qu'à San Francisco il se passe beaucoup plus de choses pour la musique qu'ils pratiquent qu'à Los Angeles. Parce qu'on rappelle qu'à Los Angeles, les promoteurs, ils trouvent Metallica soit trop punk, soit trop heavy, ils rentrent dans aucune des cases. Alors qu'à San Francisco, ils ont beaucoup de succès. Euh, et ils se sont pris en plus euh, sous l'aile de Mark Whitaker, qui a déjà, si je ne fais pas d'erreur, assuré le, le, le boulot son pour Metallica quand ils sont passés à San Francisco. Les quelques dates qu'ils ont fait avant, c'est à vérifier, mais il me semble que c'est le cas. Et ils ont beaucoup sympathisé avec lui, lui, il croit en eux, hein, parce que c'est le manager d'Exodus, mais euh, il croit beaucoup en, en eux et il va les prendre sous son aile un petit moment. Quand même, on va, on va le voir par la suite. Qu'est-ce qui est intéressant aussi à noter sur cette période, euh, c'est que si on en croit les dires de, de Chuck Billy, donc qui, qui est le, le chanteur de Testament, dès leur arrivée à San Francisco, Metallica commence déjà, les membres de Metallica commencent déjà à influencer tous les autres. C'est un truc qui ressort souvent, ça. Ils disent, euh, en fait, les mecs sont arrivés et ils avaient déjà euh, quelque chose, un truc, un charisme, euh, un son, quelque chose, et ils changent déjà. Euh, Change déjà la donne dans, au sein de la scène de San Francisco. Alors même qu'ils sont pas d'ici. C'est assez, assez amusant quand même de voir l'influence qu'ils peuvent avoir. Le patron à San Francisco à l'époque, c'est Exodus. Hein, je crois qu'on peut le dire c'est c'est le meilleur groupe de la région. Donc, eux, je pense qu'ils voient... Je sais pas si t'as des anecdotes, d'ailleurs, à ce niveau-là, mais je, eux, Exodus, je pense qu'ils voient le truc d'un œil plus, euh, peut-être, circonspect au départ, bah, parce que c'est peut-être un concurrent. C'est quand ouais. même un peu de concurrence, même s'il y a ce ouais. côté on, on est soudé. Après, il faut... Bon, on, ça, on va pas faire la bio d'Exodus, mais Exodus, c'est aussi un groupe qui a une réputation de méga gros barjo. Euh ouais. Je crois qu'on peut en parler avec Paul Baloff le chanteur, qui est complètement givré. En fait, c'est des gars... Bon... Je vais le résumer très grossièrement mais ils picolent comme des oufs, ils prennent du speed. Euh, ils cassent tout et ils sont très dans le délire quand même extrême enfin euh, t'es frère de métal ou tu l'es pas il euh, y a tout ce côté enfin euh, ils veulent ils se bastonnent à Google ils détruisent tout ils sont assez connus pour ça quand même <laughs> pour les frasques de la jeunesse d'Exodus c'est assez marrant quoi il y a beaucoup d'anecdotes ouais. euh, à ce sujet et puis ils ont la réputation de, de pas mal assurer sur scène aussi donc c'est quand Metallica arrive et que tout le monde dit putain Metallica c'est les futurs patrons c'est les ils vont tout ils vont tout booster dans cette scène ben Exodus ils disent hey, mais nous on était déjà là. C est, c est et il y a une espèce, alors ils se respectent, ils s'apprécient, ils sont amis, ils sont très proches, hein. je ne vais pas commencer à dire qu'il y a une rivalité, il n'y a jamais eu de rivalité réelle entre les deux, a priori. Mais il euh, y a des petits, enfin on en a déjà abordé hein, des exemples dans les épisodes précédents, il y a quelques petits trucs, euh, quelques petites bisbilles entre les groupes, euh, ça se chambre un petit peu, euh, mais je pense que c'est plutôt justement euh, assez sain, en fait, c'est que les, les deux groupes se, se, se servent l'un et l'autre et ça, ça pousse à tirer tout le monde vers le haut, et ça c'est un truc qui ressort. Tout le monde se dit, avec Metallica qui vient ici, euh, on est en train de, de souder une scène, une vraie scène fraternelle. De, de, de la nouvelle scène la thrash metal américain et on, on va tous se tirer vers le haut, on est une grande famille. C'est un truc qui ressort des, des témoignages d'absolument toutes les personnes qui ont connu cette époque, qui ont vécu à l'époque. Même quand on prend le documentaire Murder in the Front Row, on peut le voir. Euh, C'est un documentaire que j'ai jamais trouvé vraiment extraordinaire. Oh, non, 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 non. Je dois avouer que j'étais un poil déçu par ce documentaire. Euh, je m'attendais à beaucoup mieux quand on sait tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils ont. Mais il y a quand même un truc qui ressort, c'est la fraternité et le, le côté insouciant et le côté « on va on va tout on va tout casser, quoi. On, est, on, est, on est des oufs, on va tout casser ». Il y a aussi cette grande ambition, euh, mine de rien, qui a toujours été présente chez Lars, cette ambition de réussite commerciale. Parce que Lars, il veut pas que Metallica, ce soit juste le patron de San Francisco, il veut vraiment que Metallica, ça, ça cartonne, ça marche partout. Et en voyant que les choses prennent bien il, il est déjà là activement en recherche d'un label en recherche de quelqu'un vraiment qui va avoir les épaules pour que Metallica soit distribué euh, au maximum possible dans tous les États-Unis et même en Europe et que Metallica fasse un vrai album aussi parce que c'est toujours pas absolument. le cas absolument ouais. du coup ils vont aller carrément ils vont aller voir leur euh leur ami euh, Slagel en lui disant bah écoute c'est cool et il nous faut... ils ont trouvé un studio à un moment à San Francisco oui. 10 000 dollars il, a... il leur a proposé un, un, il leur a proposé un rabais euh, et un enregistrement à 10 000 euh, dollars ce qui est ce qui, voilà ce qui, ce qui est assez intéressant mais, euh, mais ça ne va pas aboutir euh, le problème de Brian Slagel de toute façon c'est qu'il n'a pas les fonds euh, lui il n'a pas les reins assez solides pour l'ambition de Metallica lui il leur propose des choses lui bien sûr qu'il adorerait le faire il leur dit ce que vous voulez en fait moi je ne peux pas l'assurer je ne connais pas assez de monde je n'ai pas assez de Puissance financière, donc ça, c'est pas possible. Il y a plusieurs personnes après. La demo No Left Laser, elle va forcément, elle va traverser l'Atlantique, elle va être reçue par Neat Records, qui est quand même un label assez important de Newcastle en Angleterre, qui est tenu par Bra euh Brian Ross. Enfin, tenu, non, il y bosse Brian Ross, mais c'est du groupe Blitzkrieg, euh, donc qui est un groupe quand même assez en vue aussi à l'époque. Lui, il est, il est très impressionné par Metallica. Il euh, y, y a quelque chose, il y a un début de quelque chose, mais ça débouche pas sur un contrat à cause de l'argent, toujours l'argent. En fait, Lars Ulrich va le dire lui-même, euh, c'est une interview de avril 83 où il dit. Euh, on aurait pu, et euh, c'était bien embarqué pour signer chez eux. Mais en fait, problème d'argent, euh, le groupe est déjà trop gros pour certains, certains labels, en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Alors après, il, il parle avec d'autres labels, hein. j'avais noté quelques labels, Fire Sign, euh, qui est un le label qui bosse avec euh, Riot, euh, Food for Soft en Angleterre, il y a Columbia au Japon. Ça va jusque-là. Alors là, j'ai pas les détails, mais je sais qu'il y, y a discussion. On avait déjà parlé dans l'épisode précédent, il me semble, de Shrapnel, Mike ouais, Varney. Mike Varney. Voilà. Il y a tous ces trucs-là. On en revient évidemment à. À Brian Slagle, mais euh, pour l'instant, c'est très difficile de, de vraiment trouver quelque chose qui va, qui va vraiment marquer, euh, concrétiser quelque chose de sérieux pour sortir un album, vraiment un album. Parce que euh, Brian Slagle va leur suggérer un moment de « Pourquoi vous sortez pas No Left Laser sous format EP cest C'est-à-dire, on fait ça vraiment à la… À la, la non, ça ne les intéresse pas. bah Surtout euh, le master qui doit être une cassette, quoi. <laughs> c'est <assez rire> chaud, quand même mais non, non, ça n'intéresse pas le groupe. Le groupe a plus d'ambition que ça, de juste ressortir une démo aussi bonne soit-elle. Hein, parce que c'est vrai que nous, la c'est quand même vraiment très cool. Mais oui, c'est ça. Et en plus, on peut comprendre. C'est-à-dire qu'on peut se dire, putain, ils ont, la, ils ont la grosse tête, les mecs. Ils peuvent pas commencer petit. Et puis ça va prendre petit à petit. Mais en fait, Metallica est déjà. On l'a déjà vu aussi, je, je me répète, mais on a dit beaucoup de choses dans l'épisode précédent. Mais Metallica, là, on vous a fait beaucoup d'historiques où ça prenait peut-être un petit peu le temps. Je sais qu'on a quelques, quelques amis, Jean Mathieu fait un petit clin d'œil sur le sabbat, qui rigole en disant, vous faites semaine par Semaine, euh, si je faisais ça sur Black Sabbath, je serais encore là au premier mois. Mais en fait, c'est parce qu'au tout début, c'est un peu long, c'est un petit peu fastidieux, c'est un peu compliqué. Et là, on vient de passer la rampe de lancement. Et là, ça va vite et ça commence à, à prendre vraiment beaucoup de poids. Et on, on est en février, je le rappelle, février 83. Euh, c'est à dire, Metallica n'a pas sorti d'album, mais a déjà un fan club. C'est pas ça, mérite d'être mentionné quand même. C'est pas le cas de tous les groupes. Donc, Metal Militia. Qui est un fan club qui est lancé par Lance Shapiro et KJ Dutton, dont on va beaucoup parler parce que c'est quelqu'un qui a une importance primordiale pour Metallica. Et euh, on, on vous mettra sûrement le document. Il y a une newsletter qui date donc de février 83, qui a été éditée par Lance Shapiro et KJ Dutton. KJ Dutton qui n'a euh, à ce jour pas encore rencontré Metallica de mémoire, parce qu'il habite dans l'Oregon, à Roseburg, donc il est très loin, très très loin d'eux. Il a tout découvert à distance. Et le fait est qu'il était tellement enthousiaste que c'est à son initiative il a lancé. Un, un, un fan club et euh, auquel participe notamment brian lou le photographe dont on a beaucoup parlé aussi et euh, le truc un peu marrant c'est que jay dutton il va localiser son fan club chez ses parents puisqu'il est encore lui il est encore adolescent il n'a pas encore de chez lui et encore aujourd'hui, là, on est, on est en 2022, il y a encore des gens qui se rendent à cette adresse, puisque l'adresse existe toujours, juste pour savoir s'il y a encore quelque chose, quoi. S'il y a encore <laughs> un moyen de, de choper quelque chose. Et dans les années 90, quand Metallica devient énorme avec le Black Album, désolé, on spoil, il y a des gens qui, qui prenaient littéralement d'assaut la maison des parents de KJ Dutton pour savoir... Euh... Tu peux préciser, c'est vrai que cette adresse, du coup, elle apparaît déjà, on en avait déjà, je pense, vite fait parlé sur les Petit Leather, en fait sur certaines oui, elle apparaît on a un le petit leather. Laser. Absolument. Keith Touton, lui il fait énormément de choses pour Metallica, euh, il fait énormément de travail euh, ingrat, hein, des trucs euh, vraiment pénibles. Il envoie des centaines de démos à des fans, à des fanzines, à des labels. Il va faire ça faut prendre en, faut vraiment prendre en compte, il va gérer ce fan club jusqu'à Master of Puppets où le Master of Puppets ça va un petit peu se professionnaliser parce que Metallica va vraiment devenir légendaire déjà. Et il avait parlé d'un de quelque chose comme 300 lettres par semaine euh, voire plus, euh, c'était devenu complètement euh, ah oui, Arrivé en 86, ça devient complètement ingérable, c'est juste plus possible. Donc là, en fait, en 86, ils vont transférer ça à une boîte de merchandising qui est sur une, située sur la côte Est. Mais là, en 83, il arrive encore à gérer son truc. Même si le succès est vraiment immense. Et donc pour 5 dollars, tu peux avoir une carte, euh, un badge. Quand tu arriveras à à, dans les années, au fil des années, Radio Latin, Master of Pest, tu auras des livrets avec des photos, biographies, etc. Tu peux aussi lui acheter donc, la démo Noël la petite laser. Tu pourras lui acheter la cassette, euh, la, le live, qu'ils ont enregistré avec un boombox dont on a parlé dans l'épisode précédent, pour 4 dollars. Euh, et euh, derrière, Metallica reverse 20% des bénéfices à Douton pour faire tout ce boulot. Et c'est à cette même période, donc là je vous parlais de la newsletter parce que je vais y revenir rapidement. La newsletter du fan club Metal Militia euh, nous permet d'apprendre plusieurs choses. Euh, notamment, le groupe annonce officiellement la sortie de la seconde version de Metal Massacre chez Metalworks Records, donc c'est une sous-division d'Atlantique, donc pour décembre, donc pour beaucoup plus tard. Mais le succès est tel que Metal Massacre va être édité, donc le fameux Metalworks Record qui, qui ne va jamais reverser un centime à Brian Slagel par la suite, pareil on en avait parlé, c'est là qu'on apprend enfin officiellement que le groupe va bientôt enregistrer son premier album et que son objectif c'est de le sortir avant l'été. Ils en profitent pour annoncer le recrutement de Cliff Burton qui est comparé à Geezer Butler et ils précisent même, ça c'est assez intéressant, qu'ils sont en train de travailler sur une balade heavy et épique qui s'appelle The Hills Run Red. Et c'est un morceau en fait qu'on va pas voir avant très longtemps puisque ça va devenir Peur Meshaya, et c'est le riff principal écrit par Dave Mustaine. Et c'est le moment, donc février 83, où ils annoncent aussi que The Mechanics a été retravaillé et renommé The Force. Plein de choses se mettent en place, plein de choses se concrétisent. Euh, on a un fan club, on a l'ambition le, le, d'enregistrer un album qui est de plus en plus euh, concrète, donc euh, voilà, les choses bougent. Les choses bougent. Euh, le groupe fait la toffe Il y a d'ailleurs une petite anecdote assez connue. Donc oui, l'esprit de camaraderie est toujours à son maximum, surtout avec euh, 200 grammes euh, dans le sang. Euh, il y a une anecdote avec euh, le guitariste d'Armor Sand qui, qui se, on va dire, se chamaille avec Lars riche bon qui le fout quand même au sol, et euh, notre ami le karatéka Dave Mustaine lui casse la cheville, ce qui évidemment jette un froid dans les relations du groupe pendant temps mais évidemment plus tard euh, nos frères de métal se récon réconcilieront. mais bon voilà c'est pour donner une ambiance euh, sur un, un petit aperçu de l'ambiance dans les soirées euh, bien alcoolisées et qui finissent des fois un peu mal comme c'est le cas là bah justement et, bah et pour l'ambiance là il y a le on arrive on arrive on est en février le 20 février euh, Exodus joue à mabuet Mabue Metal Mania Benefit euh, et Metallica va voir Exodus jouer sur scène et pendant le solo de Kirk Hammett qui se produit avec Exodus euh, on a encore un exemple de cette franche camaraderie et, et d'amitié virile euh, James, Dave et Lars ils viennent foutre le bordel directement sur scène ils encouragent plusieurs personnes à monter, à être bangés et, et à vraiment à pas ruiner le show d'Exodus parce qu'ils sont juste bourrés en fait, ils veulent juste s'amuser. Ils se font dégager par la sécurité, manu militari. Si on retient cette anecdote, c'est surtout que, offici enfin, officiellement, techniquement, c'est la première fois qu'ils sont sur scène avec Kirkhamet. <laughs> <laughs> le 20 un février, détail, voilà. Sympathique. Donc évidemment, cœur que nous retrouverons plus tard. Euh, je précise aussi vite fait pour l'histoire avec Sandoval que des années plus tard, euh, Dave Mustaine euh, offrira une guitare ESP pour se faire pardonner, en mode euh, les 12 steps du ah oui. pour se repentir euh, des alcooliques anonymes. Euh, voilà. Donc il demandera le pardon avec un, un beau cadeau, une guitare ESP. C'est quand même plutôt cool. Moi, j'excuse. Hein. Oui, après j'imagine qu'il a, qu a pas payé, euh... mais. <laughs> Je trouve c'est quand même cool, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, on n'y perd pas tout. Après, dis donc, il doit faire des, fou, ses actions, il doit en faire à peu près tous les, tous les deux, trois ans pour attraper un peu le. C'est pour ça qu'il change souvent de marque de guitare. Hein. Là, il <laughs> envoie toujours les, il envoie les Gibson en ce moment, là, il les file. À... <laughs> Parce que c'est comme avec Ron McGovney, c'est vraiment euh, chien et chat, quoi. C'est, il, il, il se, il se, déverse des torrents d'insultes de, pendant des années. Puis après, il s'excuse, ils sont bras dessus, bras dessous, ils font l'anniversaire de, des 30 ans, ils sont super potes. Puis après, il redise ça le prix l'un sur l'autre. Et là, encore récemment, quand, euh, quand, 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 Dave Mustaine a dit qu'il était le mal alpha dans Metallica à l'époque, euh, Ron McGoverni n'a pas pu s'empêcher de dire :« Moi, je me souviens pas de ça, etc. » Et c'est tout le temps. Alors que encore peut-être quelques mois avant, McGoverni avait partagé ah, :« Dave, tu as été mon frère. On a on a vécu tellement de choses ensemble. On est on est on est des amis à vie, etc., C'est sans arrêt, c'est tout le temps, toujours. On hein. peut quand même remarquer que Mustaine est très bah, très inconsistant dans, dans, dans ses ouais. propos aussi à ce niveau-là. Il revient un peu. On a l'impression qu'il fait qu'il boucle encore dessus. Et c'est vrai que là, la promo du dernier Megadeth, il a pas arrêté, quoi. Moi, j'ai vu, euh, enfin, je lis Blob j'ai l'impression qu'il y a une connerie par jour euh, qui est sortie. Et euh... ah, puis, il parle de Metallica tout le temps, quoi. Ça, ouais, comme si c'était hier, quoi. Alors que, ouais, dude, ouais, il ramène tout le temps, quoi. Tu vois ouais, et c'est tout le temps, moi, mais dans Metallica, je faisais ci, je faisais ça, j'étais important, c'était moi le leader. Et tu te dis, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Ouais. Il a réussi même à aller sortir un bouquin dans lequel, de... dans lequel des, des, des gens ont classé, enfin, les auteurs ont classé les meilleurs guitaristes. Et euh, il est sorti numéro 1. et Il arrive à dire Voilà, ouais ça c'est une des plus grandes fiertés de ma vie. Il euh, y a des mecs dans un livre qui m'ont mis meilleur guitariste. C'est bien la preuve que je suis un grand guitariste. Mais t'as envie de dire Mais, mais Dude, Dave T'es un des meilleurs <laughs> groupes qui existent sur cette putain de planète, quoi. Arrête ton numéro, quoi. T'as pas besoin de ça. Mais oui, les insécurités hein, et les problèmes psychologiques, hein, de toute façon, c'est oui. terrible. Et là, ouais. il a mentionné le fait qu'il rêve d'écrire de la musique avec James Edfield, à nouveau. Donc euh, voilà. à suivre. Il n'y a pas que lui qui rêve de ça, pour être tout à fait franc. Parce que là, euh, putain, ça ferait des. Les deux plus beaux poignets du métal. Hein. Bon, bref, allez, j'arrête euh, ouais. mes conneries. <laughs> Après toutes ces péripéties, euh, cheville cassée, et puis on monte sur scène euh, avec Kirk Hammett euh, parce qu'on écrit l'histoire en avance. et On arrive quand même, 28 décembre, la première répétition. La répète, ouais. Après le 28 décembre, on arrive le 5 mars, The Night of the Banging Head, premier concert avec Cliff Burton à la basse, au Stone de San Francisco. Kirk Hammett est encore de la partie, toujours, puisque Exodus est en première partie. Et ce sera d'ailleurs le dernier concert de Kirk avec Exodus. Il y a 300 personnes, 5 dollars le ticket. Euh, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, puisqu'on parle d'Exodus, euh, ce soir-là, ils vont jouer Die by the sword Die by the Sword, euh, qui est un morceau que Kirk va aller euh, repiquer plus tard pour Creeping Death. Pour les fameux ponts avec les die die. Les die 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 by my hand. Exactement. Ensuite, Las Rockit, pareil, il me semble que c'est pas la première fois qu'ils jouent avec Metallica. Ils vont partager plusieurs fois l'affiche. Et Metallica, James va profiter du concert du premier concert de Cliff pour lui dédicacer le morceau Phantom Lord. Euh, Lars, lui, il fait les choses à sa manière. Il s'est acheté une nouvelle paire de grosses caisses. Et euh, c'est intéressant de noter bah, qu'ils vont jouer The Mechanics Jump in the Fire, qui sont deux morceaux qui, pour l'instant, ont encore les premiers textes de Dev Mustaine. Un Dev Mustaine qui va, puisque c'est une tradition, casser une corde sur Motor Breath, et se plaindre en se disant Pourquoi suis-je le seul à toujours casser mes cordes Probablement en parler 40 ans après. <laughs> cette corde de sol qui a pété. Plus loin. <laughs> Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le premier concert de Cliff. Et dès son premier concert, c'est une sorte d'accord tacite qu'il a eu avec les autres membres du groupe. Il va jouer Anesthesia Polingtive, son fameux solo de basse, tout seul sur scène, une chose qui lui tient très à cœur. Il va tout de suite évidemment faire sensation. Tout le monde les trouve incroyables. De plus, que le groupe s'est doté d'un nouveau light show et de nouveaux effets. Ils ont complètement rodé leur truc, c'est-à-dire que là, pendant plusieurs mois, ils n'ont pas fait que déménager. Ils ont préparé vraiment le niveau suivant. Et le niveau suivant, il passe aussi par l'enregistrement d'une nouvelle démo, alors beaucoup plus courte, qui va enregistrer donc quelques jours plus tard le 16 mars, et qui va être... Elle va avoir plusieurs noms euh, officieux, euh, donc, euh, puisque c'est une démo, il n'y a, a jamais vraiment de nom officiel, mais euh, c'est Megaforce, démo Megaforce, donc, qui aura la particularité d'être la dernière démo avec Dev Mustaine, mais là le but c'est surtout de présenter Cliff et de trouver un label. On en parle depuis tout à l'heure. Donc cinquième démo. Deux morceaux, No Remorse et Whiplash, pour la première fois. C'est produit par Mark Whittaker, puisque lui, euh, on l'a dit, il a vraiment envie de prendre Metallica sous son aile et il a réussi à financer ça dans le cadre d'un projet scolaire. Il a réussi à, à faire d'une pierre deux coups et à allier euh, plaisir et travail. Euh, on avait dit donc plusieurs noms puisque on peut l'appeler aussi la KUSF Demo parce que c'est la radio KUSF qui est la première, tout simplement, à diffuser cette démo euh, dans l'émission de, de Ron Quintana, donc on connaît aussi, on a beaucoup parlé de lui, on parlera encore de lui, KUSF Rampage Radio. Euh, c'est une radio sur laquelle Metallica passe très régulièrement, puisque c'est des potes de Ron Quintana, donc il les invite dès qu'il peut. Euh, ils sont évidemment les trois quarts du temps bourrés. Ils jurent, ils jurent énormément. Ils disent énormément de grossièreté à l'antenne, ce qui fait que... Voilà. Il est... Quintana est momentanément suspendu par la station de radio parce qu'il reçoit des plaintes de parents qui disent que qu'est-ce qu'on met dans les soirées de leurs enfants. C'est vraiment scandaleux. Metallica cherche par tous les moyens à diffuser une musique enregistrée de manière plus professionnelle. Vraiment à sortir de, de l'amateurisme et du garage pour vraiment devenir un vrai groupe. Donc ils vont célébrer la sortie de cette démo dans la Metal Mansion de Mark Whitaker. Donc une soirée assez mémorable puisque Dave va s'endormir bourré à 21h avant même le début de la soirée comme Ouh. tout bon poireau qui se respecte. Donc ils vont tous lui dessiner des trucs dessus, puisque c'est ce qu'on fait quand quelqu'un s'est endormi bourré. Débite. Voilà, probablement. On va voir si on trouve des photos, j'en doute. Euh, <laughs> Je doute aussi. Paul Baloff et Gary Holt, euh, puisque finalement la soirée, euh, quelqu'un qui est déjà endormi bourré à 21h, donc il faut faire mieux. Donc euh, eux, ils défoncent une voiture qui est abandonnée sur la route en panne pas loin de la maison, quelques jours auparavant. Donc, euh, ça agaçait beaucoup Mark Whittaker qui disait c'est quoi cette voiture là abandonnée là qui reste qui et là qui sert à rien. Hein? Donc les gars ils font bah attends on va on te... <laughs> on va, va t'en débarrasser de la voiture donc ils vont la détruire et d'ailleurs ils vont poser dessus ils vont poser devant la voiture pour des photos euh, le lendemain. Alors c'est des photos que j'ai jamais vues on va regarder si on trouve ça. Je suis pas persuadé que ce soit ah, ce facile cool. à retrouver. Euh, le propriétaire plus tard il va revenir. Il va découvrir que sa voiture a été détruite. Il va péter un plomb. Il va s'introduire dans la maison et il va voler la stéréo de <laughs> Ça, C'est <laughs> drôle. Et il va exiger des excuses et de l'argent pour rendre l'appareil. Voilà où ça les mène. Et pour des conneries faites évidemment par des mecs d'Exodus qui sont plus là. Mais voilà, ça c'est. Alors ça c'est vraiment. On en aura d'autres. On en a des savoureuses qui arrivent. Mais ça c'est un exemple typique de... du genre de truc qui arrive à peu près tous les jours ou tous les deux trois jours euh, à la Metali Mansion euh, de San Francisco. Là euh, du coup, on a on arrive au, au printemps euh, printemps 83 mais on va dire c'est surtout au mois d'avril que beaucoup de choses vont se décanter, mais on va quand même finir le mois de mars en sachant que euh, on avait dit qu'on était sur une rampe de lancement, mais là, les choses vont s'accélérer encore plus. Enfin, après, tu m'arrêtes s'il y a des choses entre temps, mais moi, je vais quand même parler du 19 mars. The Heaviest Night of Your Life, qui va s'avérer être le dernier concert au Stone avant de partir sur la Côte Est, puisqu'on vous spoile pas en vous disant que Metallica va bientôt partir sur la Côte Est. On va bientôt vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est des soirées, c'est les soirées The Night of the Begging Head. C'est des soirées vraiment enfin, entre potes. Tu, tu connais quasiment tout le monde dans le public. C'est la scène familiale quoi, de San Francisco. Ce jour-là, il joue avec Warning et Culprit qui est un groupe de heavy metal de Seattle euh, qui est assez halluciné par l'agressivité du public. Eux, de là où ils viennent, c'est San Francisco, c'est la jungle. Ils sont vraiment impressionnés de, 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 de ce qu'ils qu découvrent. En venant jouer au Stone et surtout avec Metallica en plus, qui sont les rois du bled. Alors, c'est intéressant, Enfin, euh, certains le savent déjà et l'ont remarqué, il y a certaines scènes de ce concert qui sont très connues, puisqu'il y a même une interview qui sont disponibles sur la fameuse VHS Cliff Mall, donc dont on reparlera plus tard. Euh, donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'images filmées par des fans dans le public, mais il euh, y en a qui viennent. Euh qui viennent de ce fameux concert. De cette soirée-là, oui. Voilà, un concert dans le... pour lequel Phantom Lord est introduit par une petite instrumentale. Euh, cette, petite, euh, cette petite pièce instrumentale, pour l'instant, est intitulée When Hell Freezes Over et ça va devenir The Call of Cthulhu. Bientôt, mais pas tout de suite. Et ce soir-là, ils vendent leur fameux t-shirt noir dont on a déjà parlé, il me semble, Metal Up Your Ass. Euh, Cette fois-ci, ce n'est pas Dave qui casse une corde, mais James sur le morceau The Prince, puisqu'ils font toujours des reprises. Euh, mais Dave n'est pas en reste, il fait toujours des histoires, il se bat avec des gens, de toute façon, il se chauffe à presque tous les concerts, puisqu'il boit toujours plus et toujours plus vite que les autres. Et c'est ce qui continue, puisque j'allais dire, c'est ce qui va commencer à créer de gros conflits. Mais en fait, il y a eu une espèce d'accalmie, une petite parenthèse enchantée avec l'introduction dans le groupe de, de Cliff Burton, Mais les problèmes avec Dave persistent et il continue de, de, de provoquer des des conflits au sein du groupe et il manque même de provoquer des accidents puisque on n'a pas oublié que c'était Ron McGovney qui conduisait le van du groupe c'était un peu lui le chauffeur et l'homme à tout faire mais maintenant que Ron McGovney est parti qui c'est qui conduit le van du groupe C'est Dave Mustaine. Ce Et... qui est quand même le pire choix de la part des membres du groupe de dire <laughs> ⁇ C'est cool, mais quasi Dave, prends, prends les clés, ramène-nous <laughs> ⁇ Ce qui est quand même un peu dingue, je trouve. Mais bon. Bah, C'est à vérifier, mais euh, je me demande si James, euh, à cette époque... Alors, je crois qu'il a déjà son permis, mais je crois qu'il s'est fait sauter. A priori, il a son permis et il a même une voiture. Ouais, mais il me semble, c'est encore une fois à vérifier, mais c'est une époque où il se fait souvent sauter et retirer son permis parce qu'il se fait toper, euh, bourré ou qu'il fait des conneries. Il abîme même, il casse des choses. Euh, il, a, il, il, il tue personne, évidemment. Il n'a pas d'accident dramatique, mais il fait trop de conneries. Il aurait pu. Hein. Oui, on enfin, surtout, voilà. il l'a fait, on ne le sait pas. Mais on a des, on a des anecdotes <laughs> qui arrivent. Et donc, Dave, c'est quelqu'un qui met vraiment la sale ambiance... Euh, il faut bien se rendre compte. On a notamment un témoignage de Scott Earl qui était le bassiste de Culprit euh, donc qui garde pas un souvenir mémorable de ce fameux concert. Lui, euh, il, aurait, enfin, il dit que c'était sympa, mais euh, voilà, il dit qu'il y avait quelques, quelques centaines de personnes. Euh, c'était plutôt un bon souvenir, mais c'était pas incroyable. Par contre, ce dont il se souvient et qu'il a pas, pas trouvé génial, c'est que Dave Mustaine est venu shooter dans leur pédale parce qu'il partait pas assez vite. Il quittait pas assez vite la scène parce que pour le changement de plateau. et euh, quand, quand, le batteur de Culprit, donc s'appelait Bud Burrill, a vu que Dev Mason était en train de taper dans leur pédale et de faire le kéké, il est allé attraper par le cou, il a commencé à essayer de se battre avec, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait il avait juste affaire à une épave et que ça servait à rien de, de, de discuter. Dernière petite anecdote, euh, du côté de Scott Earl, il s'intéresse pas franchement concernant Metallica, parce que lui encore il vient d'une autre scène et il trouve pas ça passionnant musicalement, mais par contre quand il entend le solo de Cliff Burton, il est attiré parce ce qu'il entend et il revient dans la salle parce qu'il est à l'extérieur, je crois, en train de boire un coup, un truc comme ça, et il vient voir un peu ce qui se passe parce qu'il se dit c'est quand même, c'est quand même pas banal. Et on peut noter euh, que des années plus tard, euh, quand Cliff va tragiquement euh, disparaître, euh, notre ami Scott Earle fera partie des bassistes qui vont auditionner pour remplacer Cliff. Donc c'est, voilà, c'est. C'est les petites anecdotes qu'on a sur ce, ce fameux concert qui, encore une fois, est historique dans le sens où on a, on a des images de ce concert. On a, on a quelques, quelques traces euh, qui ont été immortalisées par Cliff et Et on revient. Donc, on disait, Mustaine conduit le van presque toujours. C'est le, le préposé euh, à, la, à conduire le van du groupe. Donc, on a dit, c'est une excellente idée. Il provoque un accident, ce qui commence à vraiment entamer. Euh, donc, au mois de mars. Hein. Là, on est au mois de mars. En général, il fait pas mal de conneries et il provoque un accident avec le U-Haul, ce qui entame sérieusement. Bah, la confiance des autres membres ce qui est assez logique on a on a appris par c'est par une lettre de Cliff Burton euh, je sais plus à qui soit sa, sa petite amie peut-être je sais plus mais c'est on peut retrouver le document qui, qui raconte cette anecdote assez folle où euh, ils ont eu cet accident ce fameux accident au mois de mars ils attendent une dépanneuse et il y a une autre voiture qui perd le contrôle et qui manque de les tuer en, en, en fracassant le U-Haul, c'est-à-dire qu'ils viennent déjà d'échapper euh, à un accident assez grave par la faute de Dave, et en plus il, derrière il, ça, ça provoque un, enfin on sait pas, je ne sais pas si c'est eux, c'est peut-être le hasard, mais il manque, il manque vraiment de, 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 de vivre un drame total avec un accident, un accident qui, qui, qui part de Dave Mustaine, tout part de Dave Mustaine qui plante le qui plante le U-Haul. Donc là il commence à se dire euh, Lars et James, ils se souviennent que, pareil, c'est des choses que, qui ont été ra rapportées par des, par des proches du groupe de l'époque. Ils se disent, bon, peut-être falloir qu'on pense à, à remplacer Dave si, si les choses continuent comme ça, parce que voilà, on, on s'est déjà débarrassé de Ron McGovney, mais on a encore un problème. Et le fait est que c'est à cette époque qu'ils écoutent de plus en plus Exodus, qui donc est donc leur. leur... Qui est, en, qui est en train de devenir un groupe ami et puis qui est quelque part le, le, le principal concurrent même si c'est pas le mot est peut-être un peu fort et ils sont déjà très impressionnés par le jeu de Kirk Hammett ils le trouvent génial même s'ils pensent pas encore ils sont encore pas à penser à le remplacer là on, on, on est au mois de mars euh, il va se passer beaucoup de choses pour Metallica et euh, on commence déjà à envisager de se séparer de Dave mais c'est surtout qu'en parallèle on a quand même Dave Weckl on n'en parle pas des masses mais il vit littéralement chez eux avec eux, il travaille avec eux en permanence. Donc, en fait, il passent là quasiment tout leur début à San Francisco, 100% du temps avec lui. Et ça ouais. devient un membre assez influent aussi. Donc. Euh c'est évident que lui qui est technicien et manager du groupe, il est intéressé par ces deux aspects. Je pense que Dave Mustaine, ce n'est pas un membre que, que tu apprécies à un quelconque de ces deux postes. Quoi. Donc je pense aussi que cette idée de, 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 de Kerkhamet, elle viendra aussi quand même pas mal de lui par la suite. Ah oui, bah on va le voir. Alors on n'y est, est pas tout de suite, mais euh, on va le voir. Euh, si d'ailleurs on peut, on peut raconter... Ah, si. Mais d'abord, ce qu'on va faire, on va vous raconter l'anecdote, effectivement. Plusieurs anecdotes, dont une qui implique Mark Whittaker, mais d'abord, il faut quand même qu'on vous explique pourquoi. Parce que tout ça va se passer sur la route jusqu'à la Côte Est. Faut quand même qu'on explique euh, pourquoi Metallica va se rendre sur la Côte Est. Eh bien, ça, 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 part, ça part sur un marché opus, si je ne m'abuse, sur euh, un petit marché opus sur la Côte Est, euh, à, côté de, à côté de, New York. Ouais, donc euh, dans le Brunswick, New Jersey, euh, donc le fameux Rock and Roll Heaven, donc East Brunswick, New Jersey, le fameux Rock and Roll Heaven. Euh, qui est un qui est qui est un magasin donc sur le marché Opus qui est tenu par John et Marchas Azula. Donc évidemment, on va beaucoup parler d'eux. On vous dit tout de suite, euh, John Zazula, c'est une... Euh, John et Marsha, il faut toujours associer Marsha parce que les deux, les deux vont vraiment de pair et c'est assez impressionnant de, pair, ouais. de voir euh, ce qu'ils ont accompli tous les deux. Je pense qu'un jour, on vous fera un épisode hors série sur eux, rien que sur eux, sur tout ce qu'ils ont accompli, tout ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a énormément de choses à raconter et le, leur, leur histoire est, est vraiment passionnante, ce qui nous permettra par ailleurs de leur rendre hommage puisqu'ils sont tous les deux décédés très récemment. John Zazula est même décédé cette année. Mais d'abord, parce que là, on est sur l'historique de Metallica. Et si on commence à vous faire des tartines biographiques euh, de membres, ouais. de, de personnalités qui ne sont pas membres du groupe, ça, on ne va pas y arriver. Ça va, faire beaucoup. Ça va ouais. faire beaucoup. Mais là, on est au printemps 83. Il se trouve que Johnny Z, puisque c'est son surnom, ben lui-même hein, se, se présente toujours tel, comme. Si sous le patronyme John Easy, il découvre un extrait live de Metallica, puisque on dit souvent que, que John zazula a son premier contact avec Metallica par la par la, la démo de Lefty Laser, mais en réalité c'est le, le live Puras, le fameux live enregistré à l'arrache avec une boombox. Boombox à côté de la, de la console de mixage. Exactement, que, que lui tend un client Ce client qui serait a priori Bob Muldoney Donc du magazine Kikas Qui ensuite va également lui faire passer No Lefty Laser. Alors ce serait lui, parce qu'après Il y, y a des versions qui diffèrent euh, Scott Yann dit qu'il était présent Il y a des anecdotes où il dit qu'il était là quand, Mais euh, du coup, quelqu'un de la côte Est, on est d'accord Quelqu'un de la côte de la Est côte ouest. West. De ah. la côte ouest. Mais en fait, euh, en fait ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs contacts avant d'arriver à Metallica pour Zazoula. C'est-à-dire que Zazoula, il était en train, il est dans son magasin, on remet le truc, il est en train d'écouter un album d'Angel Witch, il se souvient qu'il était en train d'écouter ça. Et euh, il y a donc le fameux Bob Muldoni qui lui dit Tiens, il faut que tu écoutes ce truc, c'est très intéressant. Donc il découvre The Mechanics, qui le met vraiment sur le cul. Ouais, et et il, est aussi, le cul, hein. il est aussi très impressionné par la reprise Am I Evil. Euh, ça, c'est les deux morceaux qu'il retient et il fait Ok, ces mecs-là, euh, moi j'ai l'ambition à, à cette époque, John Zazula, il a l'ambition vraiment de, de lancer des groupes et de, de développer leur carrière et même des groupes étrangers, on va y revenir, mais bah, pas que des groupes américains. C'est quelqu'un qui est extrêmement ambitieux. Alors même qu'il n'a pas forcément tous les moyens de ses ambitions, mais vous allez voir aussi, il y a des bonnes anecdotes à ce sujet. Donc qu'est-ce qu'il fait Il prend sa cassette, on vous l'a dit tout à l'heure sur la cassette, il y a l'adresse du fan club et un numéro de téléphone aussi. Et il appelle, il appelle KJ Dutton, donc dont on a parlé tout à l'heure, celui qui tient le fan club. Et KJ Dutton lui donne le contact de Ulrich. Et il y a une anecdote, qui dit que c'est l'ars qui a appelé John Zazula sur les conseils de Ron Quintana et Ian Callen de Metal Mania. Et donc c'est ça qui est amusant, c'est que, en fait, les deux hommes cherchaient à entrer en contact parallèlement. D'un côté, tu as, as, as les deux mecs, donc euh, bon, euh, Ron Quintana et Yann Kalen de Metalmania, qui sont là à, Lars, à dire à Lars, s'il y a un mec là euh, du côté de New York, euh, il faut que tu l'appelles parce qu'il y a vraiment moyen que tu débloques ce que tu n'arrives pas à débloquer au niveau financier et au niveau, euh, au niveau de tes ambitions pour Metallica. Et exactement dans le même temps, euh, John Tazula découvre Metallica. Donc ils sont tous les deux en parallèle à essayer de se contacter. Et donc, on l'a dit tout à l'heure. Donc, Scott Ian lui dit qu'il était dans le magasin quand, euh, quand Zazula a reçu la démo. Alors, euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai On sait pas parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent. C'est tout à fait possible. Hein. Le magasin, il y avait toujours beaucoup de monde et il y avait tous les métallus du coin. Donc, c'est tout à fait, tout à fait crédible. Et euh, il lui fait écouter la cassette et Zazula lui dit euh, :« Ces mecs-là, je vais les amener à New York et euh, je vais leur faire enregistrer un album. » donc ça c'est après avoir eu des discussions avec Lars hein, on suppose mmh. euh, donc pour faire enregistrer un album à, à Metallica il faut de l'argent, donc il va déjà réunir euh, 1500 dollars euh, juste grand... pour les faire venir, déjà voilà, ce qu'il faut qu'il les fasse venir en fait euh, donc, en fait euh... il les appâte déjà en disant venez jouer, j'ai des dates là euh, parce qu'il organise il, il, il met ses poulains quand même sur des concerts dans le coin, ouais. il dit voilà j'ai deux dates euh, venez, vous pouvez jouer. Et après, il dit, on va se débrouiller pour enregistrer un truc. Il faut savoir que quand même, bon, on reviendra plus en détail, mais c'est vrai que les Azoula, ils ont vraiment, euh, ils sont, bah, ils sont pauvres. Ils sont vraiment euh, ouais. bah, sous le seuil de pauvreté carrément. Ils sont obligés de se faire donner des sous par leur, par leurs parents pour pouvoir manger. Et en plus, <laughs> Marsha vient de, bah, vient d'accoucher et ils ont un nouveau né. Donc c'est un petit peu chaud, mais ils arrivent quand même à trouver 1500 dollars à les envoyer au groupe pour que le, bah, le groupe voilà, se à, à louer un camion à venir euh, parce que oui, euh, <laughs> on va dire que de San Francisco au New Jersey, il y a quand même une sacrée trotte. Il y a un beau voyage à faire. C'est ça. Et en plus à l'époque, ils débordent d'ambition parce que ils s'intéressent pas qu'à Metallica. Ils veulent aussi faire venir Accept, qui est un groupe dans lequel ils croient beaucoup. Ils vont lancer Manowar, d'autres groupes dont on va on va reparler bientôt. Et c'est vrai que à ce moment-là, donc j'avais noté, mais il, il a, en gros, il a 60 000 dollars qui, qui gagne grâce à son magasin, mais euh, voilà, il, il, pour toutes les ambitions qu'il a, euh, il n'a pas assez d'argent. Donc John zazula, il va mettre une... Il a déjà hypothéqué sa maison, il va faire une seconde hypothèque une... simplement pour pouvoir créer son, son label, donc il va intituler Megaforce, et avec lequel il, va... il ambitionne de... De... de produire le premier album de Metallica. Et pour appâter Metallica, parce qu'en plus lui il se dit, Metallica c'est le futur en fait, Ils vont... on, va... on va me les piquer en fait, il y a forcément quelqu'un qui va venir leur proposer quelque chose, donc il faut que je les impressionne. Il est pas forcément au fait que Metallica lui-même de son côté galère un peu à trouver des plans qui lui plaisent vraiment. Et il leur propose 12 concerts sur la côte est, c'est le truc, tu peux pas bah, tu peux pas dire non quoi. T'es jamais venu. On te propose 12 concerts. Et il leur dit vous allez l'ouvrir pour Venom, Twisted Sister, Vandenberg et The Odds. Donc qui sont que des groupes qui ont plutôt le vent en poupe à l'époque. Et euh, c'est vrai que John, John Zazula, il a l'ambition de créer un label. Il a un magasin, on l'a dit, euh, donc Rock and Heaven, et il a aussi une boîte de management qu'il appelait Crazy Management, et avec lequel il fait tourner des groupes donc étrangers, anglais notamment, canadiens aussi, Envol notamment. Et euh, pour couronner tout ce qu'on a dit, donc euh, effectivement ils ont pas un rond, euh, ils se font, c'est carrément. Donc tu le disais. C'est euh, leurs parents qui leur amènent de la bouffe euh, sous vide. Euh, ils leur préparent à manger et ils leur amènent à manger euh, dans, dans leur frigo pour, pour qu'ils puissent tenir. Et ils nourrissent également euh, les groupes qui vont venir squatter chez eux de cette manière. Et en plus, pour couronner le tout, à l'époque, euh, John zazula, il a pris six mois de maison de transition pour tentative de fraude dans le, dans le monde de la bijouterie parce qu'il y a eu un échange très louche de métaux précieux. Donc il est déjà dans le métal, dans le business du métal, mais euh, d'une manière. Euh, oui, littéral. Peu, euh, voilà, compliqué. Alors il a plaidé coupable, même s'il a toujours, toujours dit qu'il était innocent, mais sur les conseils de son avocat, parce que sinon il était sûr de perdre. Donc il a plaidé coupable, donc du coup il est dans une espèce de maison de transition, donc il est sous surveillance, et il appelle, il appelle avec des téléphones payants de sa maison de transition. Et en fait, il est en contact avec, euh, avec Lars de cette manière. C'est-à-dire que c'est... Et il ne le dit pas, évidemment. Donc Lars l'apprendra des années plus tard. C'est surtout qu'il il sort dans la rue à la seule cabine qu'il y a à côté du centre pseudo pénitentiaire un peu libre où et du coup les gars derrière lui font la queue pour pouvoir parler à leurs compagnes à leurs femmes alors lui il est en train de manager son label et il appelle Lars et il lui vend voilà il lui vend son cette tournée de 12 concerts et tout et évidemment il il essaie de faire en sorte que Lars comprenne pas que dans la panade dans laquelle il est quoi c'est un peu chaud alors moi pour ce qu'il a fait j'ai lu je le mets au cas où je dis de la merde j'ai lu qu'il s'est fait avoir parce qu'il il aurait tape, tape wire, il aurait posé des micros pour écouter des conversations, pour pouvoir faire des placements en bourse. Moi, c'est ça. Que ah que oui, il y, y a une histoire comme ça aussi. Oui, oui, oui. Il y a une histoire comme ça. Mais oui, c'est oui. vrai. Et j'ai trouvé ça vraiment complètement dingue. C'est qu'en fait, il s'est endetté. Il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il a fait des placements en bourse qui ont été jugés a priori illégaux puisqu'il avait accès à des informations qu'il n'aurait pas dû avoir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je peux vraiment me tromper, mais je trouvais ça complètement dingue. Je voulais le préciser au cas où. Ah, mais c'est, non, non, mais c'est complètement possible. C'est, ça me dit vraiment quelque chose, cette histoire. Mais après, il a été dans plusieurs trucs, mais je pense qu'on va faire le, on va aller creuser ça parce que on a pris une manière superficielle, parce qu'on est vraiment sur Metallica, mais... Ouais. Euh, il a sorti lui-même d'ailleurs il a une autobiographie une autobiographie il y, a, il y a des choses sur lui et je pense que si on creuse on peut faire un super épisode hors ah série bah sur ce épisode. mec parce que euh, c'est clair sur ce mec et cette nana et cette nana parce que c'est assez génial aussi ils ont des histoires euh, ils ont des histoires qui sont géniales dans leur façon là, de gérer là c'est vraiment des gens euh, qui sont euh, qui carburent à la passion euh, dans le plus noble sens du terme même si bon il y a ces histoires de justice un peu bizarres mais euh, là c'est littéralement s'endetter pour faire venir des groupes parce qu'ils croient en eux enfin c'est absolument incroyable même euh, si ça, ouais. évidemment il y a une attente de retour financier derrière, parce que c'est comme trouver, euh, trouver la pépite qui va t'en rapporter plein d'autres quoi mais quand même quoi le nombre de groupes qu'ils ont lancé le nombre de groupes qui ont fait tourner c'est hallucinant ah bah c'est eux moyen. qui ont organisé les premiers concerts américains de groupes comme envol ou venom par exemple ils, sont, mmh. ils croient énormément en venom je pense que même, même venom à l'époque c'est vraiment en train de c'est en train de prendre on va dire dans le milieu du métal c'est ça impressionne pas mal et euh, c'est des mecs qui vont venir donc squatter euh, squatter chez euh, chez John et Marchese Zazoula ils vont même lui cramer sa cuisine, d'ailleurs euh, Metallica aussi va, va en faire des belles puisque Metallica arrive hein, c'est pas un scoop euh, là ils sont en train de ils sont en train de faire le trajet pour venir jusqu'à chez jusqu'à chez les Zazoula Alors petite euh... précision Mustaine déclare qu'il n'était pas au courant qu'ils allaient aller à New York c'est dire aussi, je pense, l'époque la, dans laquelle euh, dans laquelle il était, qu'il le trouve au saut du lit où il... Alors, selon Mustaine, hein, je le tiens à le dire, en gros, il se serait tapé l'actuelle copine à Kirkhamet Voilà, c'est à ce moment-là. Donc, ils le prennent au saut du lit. Il dit, ah, les gars, faut que je prenne une douche avant de partir à New York quand même, parce que sinon, ça va être chaud. Voilà le contexte dans lequel, selon Mustaine, ils partent euh, sur la route. Donc... Nous allons préciser parce que nous sommes passionnés par ça, nous avons fait d'immenses recherches là-dessus. Euh, nous avons parlé des U-Haul pour euh, parler de remorques qu'on met à l'arrière du camion. Là, c'est le modèle, euh, j'allais dire le modèle grand luxe, mais c'est-à-dire que ils vont louer un véhicule euh, parce que il faut savoir que dans les années 80, c'était assez simple de louer des véhicules, c'était pas si cher que ça. C'est pas du tout comme en France, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une, un côté service que nous, enfin, on semble, ça nous semble complètement inimaginable S'il y a un problème avec la voiture, elle est tout de suite changée, etc. Il n'y a pas tant de pénalités que ça euh, niveau pognon. Mais bon, bref, euh, ils un U-Haul qui est un pick-up donc si vous voulez les, ces espèces de camionnettes typiquement américaines avec euh, trois places à l'avant et là c'est un pick-up avec euh, où ils ont rajouté dessus une énorme structure qui permet de, euh, bah, de stocker des trucs enfin qui fait que ça devient un camion voilà donc la, la structure est métallique et euh, Metallica ils partent du coup à 5 avec euh, Mark Whitaker euh, dans ce truc là donc, ça veut dire qu'il y en a deux qui doivent dormir à l'arrière au milieu euh, des cabinets Marshall au milieu de la batterie donc je vais aussi le préciser tout de suite. Vous imaginez que Mustaine a déjà eu un accident euh, et que le matériel à chaque fois a trinqué. Donc ça vous donne une idée déjà de l'état du matériel de, 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 pour tourner de Metallica, quoi. C'est-à-dire que je pense que la batterie de Lars elle est complètement explosée, même les deux grosses caisses neuves elles doivent être. Je doute qu'il avait des fly pour grosses caisses, etc. Les cabinets Marshall ils doivent être déjà vintage. Enfin c'est déjà vous donner. Hein, puis même les têtes à lampe. Euh, ouais, enfin bon. Donc voilà, ils partent sur la route dans ces conditions-là. Évidemment, ils continuent à picoler comme des trous et ils font quand même de San Francisco au New Jersey. Donc il y a énormément de régions à, à traverser euh, et des régions souvent hostiles. Donc a priori, ils, ils tournent dans le camion pour euh, ouais. qui conduit. Euh, parce que là, il, il, Mustaine ne peut pas faire la route, parce qu'il y en a quand même pour au moins 4-5 jours euh, de, de, ce, de ce gros voyage. Quoi. Oui, pour le coup, il se relaie, et ben, il y a justement, euh, quand on arrive, donc là, on, était, on est toujours à la fin du mois de mars, et euh, le 28 mars, euh, c'est un témoignage de Pam Barhorst, c'est une, une amie de Metallica de l'époque, euh, auquel Cliff et James vont se confier, donc ils sont sur le chemin, de, sur la route de New York, et ils vont lui dire, on a vraiment des soucis avec Dave Mustaine, et on commence à on commence à se demander si ça va le faire avec lui si on va pas être obligé de se séparer de lui et donc euh, entre l'Iowa et l'Illinois euh, là c'est Dave qui conduit alors qu'il a bu 15 à 20 bières il est donc déchiré au volant pas de souci euh, ils se font une petite pause déjeuner vers 7h du matin et là euh, bah classique euh, Dave et Mark Whittaker se battent mais assez violemment, parce qu'ils se prennent la tête, parce que Mark Whitaker lui fait des remarques, parce qu'il lui dit qu'il ne peut, peut pas se tenir comme ça. Dev s'endort complètement déchiré l'arrière du camion. Donc les quatre autres, donc les trois autres membres de Metallica et Mark Whitaker, ils sont devant. Donc comme tu l'as dit, il y a une cabine devant, ils sont tous devant pendant que l'autre, il cuve derrière. Et à la sortie de Chicago, ils se tapent dans la main et ils se disent, on va virer Dev Mustaine, c'est juste plus possible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc euh, voilà, il est sur la, la banquette arrière en train de cuver et eux ils sont déjà en train de prévoir l'après euh, de Mustaine. Ils ont aussi des galères qui sont indépendantes de Dave Mustaine puisqu'ils ont des ils sont de le yule tombe régulièrement en panne donc ça leur fait en plus perdre du temps pour arriver dans le Wyoming. Bon, Dev manque de provoquer un accident encore mais cette fois c'est parce qu'il est dans la neige. Donc euh, le truc voilà, euh, voilà c'est le truc dans la neige, c'est c'est qui qu le dit, c'est que lui il a jamais conduit dans la neige littéralement, voilà. c'est un gars de Californie euh, et donc du coup il a ce, cette sensation de glissement euh, ils ont quand même, ils se font quand même un peu tamponner hein, à ce passage-là. Ils arrivent, à, en fait, en gros, ils arrivent à se mettre en travers de la route avec, en étant face au trafic, la moitié du camion face au trafic d'en face et enfin au milieu de la route apparemment jusqu'à rebouger et il y a une jeep qui les tamponne quand même il bah, y a même un moment l'histoire et a priori ça c'est pas un... a priori ce serait pas un délire de Mustang qui se la raconte mais ce serait vraiment arrivé c'est que euh, ils sont ils sont sortis du du U hall pour essayer de de déco de décoincer euh, les roues qui sont embourbées dans la neige enfin, a priori c'est ce que j'ai cru comprendre et il y a une voiture qui passe vraiment pas loin de les de les faucher donc comme tu dis après il y a une jeep qui, qui les tamponne et au moment où la jeep les tamponne euh, Dave il pousse Mark Whitaker à la dernière seconde genre comme dans les films paf bah, il lui sauve la vie euh, parce qu'il va se faire il va se faire rentrer dedans par la Jeep. C est, c est, on, est, on est dans ce genre de, de, de délire-là. Et en plus, en n'oubliant pas que... Euh, parce que faut pas non plus... Euh, on n'est pas naïf, quoi. Il euh, y a sûrement pas que Dave qui est à moitié beurré. Hein. Euh, on connaît Lars on connaît James Hedfield à l'époque. Donc, il doivent être dans un état qui est pas mal. Ils sont dans un état proche de l'Ohio, d'ailleurs. Et, euh, et c'est... Euh, c'est euh, assez compliqué, ça, ça aide pas, ça aide pas à ressouder les liens avec Dave qui sont déjà euh, déjà abîmés parce qu'il s'est passé depuis le début du départ, depuis le début du trajet. Donc après, lui, il se plaint aussi qu'ils sont pas sympas avec lui. Euh, ouais. Il y a cette fameuse anecdote où il dit qu'il est à l'arrière du camion, donc probablement en train de cuver. Euh, il y a de la rouille qui se détache du plafond du van qui lui tombe dans l'œil qui lui fait extrêmement mal. Il demande d'aller aux urgences et le groupe lui fait "On n'a pas le temps hein, de faire foot, tu vas pas aux urgences." Et il dit voilà, voilà. et il dit qu'à ce moment-là, il a senti qu'il avait perdu ses amis et qu'ils avaient plus de respect pour lui et qu'ils avaient déjà prévu. Donc. Voilà et que lui, évidemment, il serait allé tout de suite à l'hôpital s'il y a eu le moins de problème pour un de ses potes, mais eux ne le font pas pour lui. Voilà exactement. Sent, en tout cas, il sent clairement l'animosité envers lui euh, sur tout le long de ce trajet. Euh donc long extrêmement fatigant et bah, périlleux quoi dans l'ensemble hein. c'est vrai que ça doit quand même bien calmer de manquer de mourir euh, tous les deux jours quoi bah oui et sachant en plus bah, qu'ils ont pris du coup la décision euh, un petit peu avant qu'ils allaient se débarrasser de Dave qu'a priori ils lui font sentir quand même que ça ne va pas mmh. même si euh il y, y a plusieurs, selon les, au fil des années, il y a toujours eu plusieurs versions de la part de Dave. C'est-à-dire, je l'ai toujours su, et puis en même temps, quelle surprise. Ouais, C'est délicat, pas de seconde chance. Euh, oui, voilà, tout ce, tout ce il... double discours. Hein. Ouais, il avait ouais. déjà eu une seconde chance avec l'affaire voilà. des chiens, mais il a l'air de l'avoir oublié. Après, après toutes ces péripéties, ils arrivent chez John Zazula, et donc la Alors, fameuse. Euh... Si tu me permets, pendant tout ouais. le trajet, ils se font miroiter. Euh, d'énormes steaks c'est à dire que apparemment il y aurait une promesse de bouffe selon Mustaine il hein, y aurait une promesse de bouffe de ouf genre euh, des, des, des méga gros steaks avec euh, en gros il, il, c'est le on est dans le petit chef euh, le manga quoi euh, de la bouffe de malade de la picole enfin on leur a promis déjà beaucoup de confort en fait et c'est vrai que là, tu vas y venir, quand ils arrivent, ah, c'est plutôt route, quoi. C'est plutôt route chez Zazula, euh, comme on vous l'avait déjà euh, annoncé, quoi. Ouais, ouais, c'est extrêmement route. Et en plus, dès qu'ils arrivent, comme ils savent se tenir, ils sont assez distingués, ils foncent direct sur les alcools et les. de quoi picoler et ils foutent le bordel dans la maison. Et euh, déjà, Zazula comprend que c'est peut-être pas le meilleur plan euh, d'accueillir les mecs chez lui. Donc il va assez vite régler le problème en les envoyant. Euh... En les envoyant chez, chez un de ses amis, euh, mais on, on y revient. Mais euh, surtout, le truc, c'est que dès qu'ils arrivent, littéralement, dès qu'ils arrivent, ils se présentent, ils disent qui ils sont, et, euh, et Lars euh, chuchote très rapidement à Zazula, euh, voilà, ça c'est Devon scène, et après, il lui chuchote, euh, on va le virer, quoi. Il va sauter, quoi. Donc, Zazoula, il fait putain, le groupe arrive et il y a déjà plus de guitariste, quoi. Il manque déjà le guitariste Solis. Mark... Alors, Mark Whitaker prend très vite les devants et contacte Kirk Hamet. Hein. Pas oublier qu'il est aussi manager d'Exodus. Donc, ça, c'est dès le 1er avril, puisque la date est assez savoureuse. Il contacte Kirk Hamet le 1er avril pour remplacer et Kirk pense évidemment que c'est un poisson d'avril et raccroche. Mais <laughs> avant, de, avant de réaliser que, que c'est assez sérieux. Mais avant d'en arriver au recrutement de Kirk Hamet. Donc, quand ils arrivent et qu'ils se rendent compte. Que Zazula se rend compte qu'il récupère des soifards et qu'ils vont foutre le bordel dans sa maison, il se dit il va falloir qu'on qu gère, qu gère autrement. Donc oui. euh, déjà ils, sont, ils arrivent ils vont chez Rockin' qui donc un, un des amis. Euh, ils boivent énormément. James est déjà super malade parce que voilà c'est comme ça qu'il se présente euh, à la personne qui veut lancer sa carrière. Euh Professionnel. Euh, c'est d'ailleurs, bah, c'est très célèbre, mais c'est vraiment à cette période qu'ils vont gagner leur surnom Alcoholica, euh, puisqu'ils sont tout le temps bourrés de chez Bourré. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que il se passe quelques jours de flottement, en fait, si, si on suit bien un peu l'histoire. Zazula est un peu désemparé. Comme tu dis, il a promis plus que ce qu'il pouvait, donc il essaye de se démerder. Il leur pour de la euh... de bouffe ultra bas de gamme. Voilà. Etc. Donc, les mecs, en plus, tirent la gueule. Euh, C'est quelle ambiance. Pour tenir ses promesses. Il, il, il essaie... les amène, euh, il les amène Rock'n'Roll Even. Apparemment, Mustaine euh, dégueule non-stop. Oui. Euh, donc, il se fait remarquer sur, je sais pas si vous imaginez, marcher au puf tout le monde qui regarde euh, ces gars qui buglent euh, et Déjà, qu'il avait des soucis parce qu'il fout du son à donf tout le temps. Là, il y a carrément un Gerbo Tromman qui arrive, qui en fout partout. Euh, ouais, ça la fout vraiment mal, quoi. Et en gros, il a la teon partout, il les amène, quoi. Et, et puis, oui puis, jusque dans, dans, dans son propre foyer, puisqu'il euh, foutait un bordel absolu dans sa maison. On l'a dit tout à l'heure, euh, les, les, les Azulas, ils, ils, ils ont des enfants. Enfin, ils ont une vie de famille. Euh, un, dont un nouveau-né. Euh, dont un nouveau-né. Euh, D'ailleurs, c'est un truc qui en dit assez long aussi sur le... le... Le caractère de Cliff Burton, c'est, Cliff Burton, il lit des histoires à la petite fille des Azoulas le soir quand elle arrive pas à s'endormir avec le boucan que les autres font en bas. Euh, mais ce qui finalement va précipiter le, 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 leur, leur éviction de chez Azoulas, c'est parce qu'ils sont allés siffler une bouteille de champagne qui se gardait depuis son mariage pour une grande occasion. Alors, on peut considérer que c'est une grande occasion. <laughs> mais. Oui, enfin, c'est une grande <laughs> occasion quand tu bois la bouteille et pas quand les autres la boivent en cachette. Non, mais bien sûr. Mais du coup, il, est, il dit, cette fois, c'en est trop. Euh, je continue de bosser avec vous parce que je crois en vous. Euh, à fond, mais vous vous dégagez, vous allez, ils vont aller vivre chez des gens à Rochester, à New York, euh, dans, un, dans un building qui, qui va devenir célèbre, dans le Queens. C'est là où Anthrax a son local de répétition. Donc ils vont aller squatter Music dans Factory. Voilà, ils vont aller squatter dans ce building tout pourri où il n'y a pas d'eau chaude, pas de chauffage, où il euh, y a une fameuse anecdote où les, les mecs d'Anthrax leur prêtent un grille-pain euh, et de la mousse d'isolation pour, pour se chauffer, parce que qu'il n'y a, y a vraiment littéralement rien. Euh, ils leur filent même des... Ils leur filent des sandwiches, des restes, des trucs. Enfin, C'est vraiment... Ils arrivent, il y a plus rien. Et ça dure même un petit moment, au point qu'il y a des rumeurs qui commencent à, à circuler. Euh, même à San Francisco, comme quoi Metallica s'est fait arnaquer à New York, et qu'ils sont arrivés et qu'il n'y avait rien. Mais le fait est qu'ils euh, ne se sont pas fait arnaquer, c'est simplement que Zazoula a, a promis beaucoup plus que ce qu'il pouvait. Il décide de se serrer les coudes pour arriver à, à aller au bout de, de ce qui est leur rêve commun. Donc le groupe va autoriser Zazoula à vendre des, les démos de No Lefty Laser à prix cassé, 4,99$, ce qui va aider à financer la vie du groupe pendant que le groupe est là. Il diffuse la démo H24 dans le magasin, euh, vraiment pour. Pousser les gens à l'achat. Ils diffusent aussi la démo parce qu'ils font les copies en même temps pour pouvoir les vendre. Et du coup, ils les font a priori en temps réel. Donc, ça, j'ai vu, c'est assez rigolo. Mais oui, ouais, c'est bah, oui, mais... ce qui leur permet de financer un peu le, un peu le groupe. Ouais, euh, ouais, Scott Yann, du coup, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les gars d'Anthrax qui font ce qu'ils peuvent, euh, particulièrement Dan Liker et Scott Yann, oui. qui, dès qu'ils peuvent, ils disent euh, à Mustaine, et ils disent Bon, elle vient prendre une douche chez moi, ou bien ils lui payent une part de pizza, des choses comme ça, des choses dont Mustaine s'en rappelle encore euh, avec une extrême chaleur, c'est dire les conditions un peu extrêmes parce que c'est vrai que on est à New York, euh, il fait quand même très froid, il s'est pas chauffé, il n'y a pas de douche, il y a juste un lavabo avec de l'eau froide, comme tout confort euh, moderne. Donc c'est vrai que les conditions sont quand même rudes et surtout, bon après c'est vrai qu'ils sont tout le temps bourrés euh, malgré le peu d'argent qu'ils ont. Malgré tous ces problèmes qui sont donc matériels et euh, donc financiers, il y, a, il y a une communauté là-bas dont on n'a pas encore parlé, mais on va, on va, on va détailler tout ça parce qu'il va se passer pas mal de choses avec eux, donc, qui s'appelle qui Old Bridge Militia qui est dirigé par Rockin Ray et Metal Joe Chimienti. Rockin Ray donc, est le mec dont on a parlé tout à l'heure, qui, qui, qui sont euh, des fans dévoués de, de cette scène thrash metal naissante euh, et qui sont, qui sont tous immenses fans de Metallica, qui sont extrêmement fiers d'accueillir Metallica chez eux. Donc il y, y a une très forte cohésion de groupes euh, de fans, de passionnés, au-delà juste des membres du groupe et de Zazula. Il y a aussi plein de fans de Metal dans le coin qui, qui sont prêts à, à donner, euh, à donner bah, à loger des groupes chez eux, parce que ce sont des, ce sont des gens qui vont accueillir d'autres groupes, hein, même Slayer va passer beaucoup de temps là-bas aussi par la suite, ce sont des gens qui vont, qui vont euh, coller des affiches, enfin euh, c'est des militants en fait, voilà. c'est des militants de la cause métal euh, dans New Jersey. Et euh, ce qui est assez amusant, enfin euh, qui est intéressant à mentionner, c'est que le 3 avril, donc euh, on est vraiment euh, juste après l'arrivée du, du groupe. Euh, ils vont aller jouer dans la maison de Metal Joe à Farmingdale, donc la maison qu'il a lui-même appelée Fun House. Euh, on regardera, je crois que j'ai une photo de cette maison. Euh, ils ont qu'une seule guitare sur place parce que les mecs sont arrivés, ils sont vraiment arrivés à la rage. C'était pas prévu qu'ils jouent à la base. Donc ils ont une seule guitare, donc il y a, y, a, y a que Dave qui joue de la guitare. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent dans une chambre du New Jersey devant des fans avinés, évidemment, tout comme eux. Ils jouent jusqu'à ce que Lars casse toutes ses baguettes et termine même euh, même les mains en sang. Euh, ça part un petit peu en couille Dave, il se bat avec un mec, forcément. Donc un mec qui est surnommé bulldozer, bulldozer Bob. Donc c'est-à-dire un mec qui doit être assez costaud parce qu'il est assez malin. Dave, il se bat avec des mecs plus forts que lui. Donc le fameux Joe attrape Dave, il le jette par terre et il lui dit "Tu n'es plus en Californie, motherfucker fucker." <laughs> et c'est <laughs> ça qui est assez drôle. C'est euh... ah, après, bon, après, ça se termine bien. Il hein, n'y a pas de souci. Mais ce qui est amusant, c'est que bah techniquement. C'est le premier concert Metallica sur la côte est avant même le, con le premier concert officiel. C'est le premier concert. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que quelque plus tard, quand Kill va sortir, vous pouvez regarder dans le livret, il y a une petite mention. C'est écrit euh... donc il remercie Metal Joe. Donc on a dit euh, la maison lui appartient. Et entre parenthèses, c'est écrit euh, désolé pour le trou dans le mur. Donc on imagine qu'ils voilà, on qu oui. ont pas mal défoncé, euh, défoncé la maison et ce trou dans le mur, il a été fait ce fameux soir du 3 avril quand ils font le concert, le concert improvisé sauvage avec leurs amis. Eh bien mon cher Guillaume, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 6. Oui. Donc il nous reste beaucoup de choses à traiter évidemment. Euh, on vous remercie évidemment d'avoir écouté cet épisode. On était peut-être un peu fouillis mais... Euh... On essaie de faire ce qu'on peut. Il y a beaucoup d'anecdotes encore. Après, le truc, c'est que sur cette partie-là, on est obligé d'être un petit peu fouillis parce que euh, les biographies officielles, mine de rien, sur ces parties-là, elles sont assez succinctes, c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas dans les grands détails. Nous, on a l'ambition d'essayer de vous donner pas mal de détails et d'anecdotes, mais le fait est que ces détails et ces anecdotes, on les trouvait essentiellement auprès de, de gens qui ont vécu les choses à l'époque, des témoignages de gens qui ont vécu les choses à l'époque. Et malheureusement, c'était il y a longtemps. Il y a des contradictions. Il y a des gens qui se souviennent plus exactement. Donc, on essaie de recouper, et de mettre ça tout, en, tout, tout bien ensemble, pour que vous ayez à peu près les choses dans l'ordre. Euh, voilà. Eh bien, c'était super chouette. Euh, vivement <laughs> le prochain. Euh, on vous dit au revoir et on espère qu'on vous retrouvera vite pour ce septième épisode et peut-être même un hors série, un autre hors série qu'on essaie de vous préparer. Euh, on essaie de faire plusieurs choses en même temps. Euh, en tout cas, euh, je pense qu'on va, on va vous chier un max d'épisodes. Voilà. En tout cas, c'est <laughs> l'objectif. Allez. Je pense, ouais. Je pense qu'il y en aura au moins 7. On va sûrement en faire 7 historiques avant de passer au, au premier album. Il y a des chances. Je pense aussi. Allez, à plus tard À plus tard